Coucou, aujourd'hui je te propose une recette ultra gourmande. Alors c'est pas un dessert, c'est pas un gâteau, c'est rien tout ça, c'est plus un accompagnement. On peut aussi l'utiliser comme pâte à tartiner, il s'agit du caramel au beurre salé. Donc comme d'habitude, la liste des ingrédients se situe dans la barre de description sous la vidéo. Et c'est parti, je t'emmène dans ma cuisine. Alors pour faire ce caramel, on va mettre directement tout le sucre dans la casserole et on va le faire chauffer à feu doux comme ça, sans rien, sans eau. Et on va attendre que le sucre caramélise. Une fois qu'on a bien fait fondre tout le sucre et que tout est devenu d'une belle couleur caramel comme ça, je rajoute petit à petit ma crème qui est chaude. Je l'ai fait chauffer avant un petit peu au micro-ondes et faire très attention aux projections parce que ça éclabousse un petit peu et c'est vraiment très chaud. Une fois qu'on a bien rajouté toute la crème, on va rajouter le beurre en morceaux. Donc je fais ça hors du feu. Donc je mélange bien le beurre et je rajoute aussi une petite pincée de sel. Et je mélange bien. Je verse ça dans un petit bocal pour m'en servir comme pâte à tartiner ou alors tu peux aussi l'utiliser dans une recette. Et ça, je te montrerai ça la prochaine fois. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère que cette recette t'a plu. Donc n'hésite pas à me laisser tes commentaires et à t'abonner à la chaîne car j'ai encore plein de gourmandises à te montrer. À bientôt !